Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée! Ouh, je suis trop contente! Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe! Sans parler de cette odeur et de cette crasse! On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie! Donc Vice Versa, c'est un film d'animation de Pixar qui nous propose d'être dans la tête donc, d'une jeune fille qui a 11 ans, qui s'appelle Riley. Donc c'est simulé par une sorte de salle de contrôle où on voit donc, les 5 émotions qui sont les 5 émotions de base, la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non mais c'est quoi cette horreur? Elle, c'est dégoût. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est des brocolis! Si on réfléchit aux émotions, on peut en citer beaucoup plus. Simplement, c'est vrai que les 5 qui sont décrits là, c'est celles qu'on va décrire en psycho comme les émotions de base. Alors pourquoi les émotions de base? Parce que déjà, c'est celles qui sont les plus universelles donc chez l'humain, enfin chez l'homme. C'est-à-dire qu'a priori, tout le monde a ces 5 émotions-là. Enfin, ça a été largement observé. Donc après, ça dépend des modèles en psychologie, mais c'est assez consensuel qu'il y a ces 5 émotions de base. Eh ben, tu l'as voulu, on va te la finir dans l'assiette. Mais c'est surtout toi qui va déguster! Riley, regarde le petit avion. Un avion. Un avion. Après, il y a des émotions qu'on va définir comme complexes. C'est ce qu'on peut voir dans le film, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des événements qui se passent, ces souvenirs vont se teinter de plusieurs émotions, donc on peut, ça préfigure un peu l'idée d'émotions mixtes dans le film, même si c'est pas vraiment à bord. Ça suffit, monte dans ta chambre. C'est où qu'on commande? C'est ici qu'on commande. Ouais. Bien joué, bravo messieurs, on est passé à deux doigts de la catastrophe. C'est une catastrophe. Ce que montre la psycho, c'est qu'on n'est plus dans une vision passion-raison, comme vous pouvez le voir Descartes, où donc on aurait un animacule ou quelque chose en nous qui serait la raison qui décide et qui serait perturbé par les passions, donc qui serait des choses incontrôlables. Là, dans le film, il y a plus une vision intégrée où on voit que finalement, les émotions jouent sur la mémoire, sur comment sont formés les souvenirs, sur la personnalité, comment elle se construit, mais de façon assez complexe et intégrée. Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, tristesse! T'as touché au souvenir! Tu es sûr que ça va? Je sais pas trop. Répare-le! Mais laisse-moi lâcher! La mémoire centrale! C'est n'importe quoi! Le travail des psychologues, c'est souvent de modéliser ce qu'on va appeler les processus mentaux ou les processus de l'esprit. Et au final, ce qu'ils ont fait, ça, on pourrait voir ça comme une forme de modélisation. Ça pourrait être une sorte de modèle psychologique. Ça rejoint un peu le travail qu'on pourrait faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des termes et des schémas, mais surtout nous, on fait des schémas de l'organisation de la mémoire, des émotions. Simplement, c'est des carrés avec des flèches, c'est un peu moins illustré. Du coup, c'est assez amusant de voir une représentation vraiment imagée de concepts qu'on peut manipuler les gens. Je le crois pas, il fait encore ses yeux de merlan frit. C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien. Viens, envole-toi avec moi, petit chat. Ah.